Sapin des Bois, salut à toi. Aujourd'hui, je te parle de mon sac à dos, le Wisport Raccoon 85 litres. Donc, il est fourni avec deux pochettes latérales qui sont fixées à l'origine sur les passants Molly du sac à dos. Chaque pochette a une contenance de 8 litres et pèse 250 grammes. D'un volume de 85 litres et d'un poids de 3,3 kg avec les pochettes latérales, on passe donc à un poids de 2,8 kg et à un volume un tout petit peu inférieur à 70 litres, 69 pour être précis, en retirant les deux pochettes latérales. C'est un sac à dos qui est donc fabriqué en Pologne. Il est garanti 5 ans à partir de la date d'achat et son prix est compris entre 200 et 225 euros selon le motif et la couleur que vous choisissez à l'achat. Ce sac à dos est doté d'un compartiment principal qu'on va pouvoir séparer en deux parties. Deux tiers en haut, un tiers en bas. Et le compartiment principal est suffisamment grand, si on ne le sépare pas, pour pouvoir transporter des trucs volumineux comme un trépied à l'intérieur du sac, une petite chaise pliante par exemple, et un affût d'observation animalière. Le tissu, c'est du nylon Cordura et il a un traitement Dupont Teflon. Ce sac à dos est équipé d'un type de portage très confortable. On n'est pas sur un type de portage de sac de randonnée comme chez Osprey sur le Atmos 50 que j'avais il y a quelques mois. C'est pas un sac de rando, okay. C'est un sac qui est avant tout destiné aux militaires ou aux gens qui pratiquent l'airsoft, puisque son volume va permettre de transporter pas mal de choses. On a donc un système de portage en mèche respirant bien rembourré, bien épais. Les bretelles d'épaule sont hyper épaisses aussi, on est sur une mousse avec la même densité que sur mon sac à lisse, donc ça c'est un bon point, puisque le système de portage du sac à lisse, les bretelles et la ceinture lombaire, sont équipés d'une mousse bien dense que j'ai trouvé vraiment confortable à l'utilisation. Là on est sur des mousses qui ont quasiment la même densité mais des bretelles avec un système de portage plus actuel. On a ici la sangle pectorale par exemple. La ceinture lombaire elle aussi est bien épaisse, elle est préformée grâce à des sangles ici de rappel de charge qui vont pouvoir permettre de la serrer au plus près et de régler au mieux selon le poids du contenu qu'on va transporter. Ici fermeture avec une boucle Fastex. L'ensemble du sac à dos est équipé de boucles Fastex Duraflex ITW Nexus, donc très solide. On a des sangles à peu près partout. Quand tu reçois le sac, tu vas retrouver deux sangles sur le dessus du capuchon. Donc pour un accès rapide, pour fixer rapidement une veste de pluie ou un matelas en mousse. Sur le côté, on va retrouver deux sangles de compression. Sangles suffisamment longues pour pouvoir là encore fixer des équipements, donc soit un matelas en mousse, soit une tente. En bas du sac, ici, on va retrouver des poches suffisamment volumineuses pour y mettre une gourde Nalgene d'un litre. C'est des gourdes quand même assez volumineuses en termes de diamètre. Moi aujourd'hui, pour cette sortie, j'y mets mon couteau fixe, donc c'est le Joker Nordico, une scie pliante, et il reste encore de la place pour y mettre 2-3 petits accessoires. Les poches sont équipées de choc-cordes ici, voilà. Le sac est équipé d'une armature en aluminium à l'extérieur. On peut voir les tiges ici, donc des tiges en aluminium noir qu'on peut retirer pour alléger le sac. Par contre, là, il va perdre en confort de portage et ça va être extrêmement compliqué de les remettre dans leur logement d'origine. Le système de portage est extrêmement bien fait. Le réglage de la hauteur du port du sac à dos se fait avec ces deux petites sangles ici. En les desserrant, on va pouvoir changer la hauteur du sac à dos. Donc ça, c'est toujours bien sympa. Et moi, je sais que j'aime bien les serrer à fond. Donc, je mesure 1m84 et quand je serre ces deux sangles à fond, alors je suis tip top en portage confortable pour ma taille. Et même avec le sac chargé, on reste sur un portage confortable. En type d'aération et de ventilation du dos, maintenant, c'est pas l'idéal. Puisqu'il y a une toile mèche, c'est quand même bien pour évacuer la transpiration. Par contre, quand on marche au soleil plusieurs heures, la transpiration se fait quand même bien sentir dans le dos. Le capuchon du sac est amovible. Il est équipé de trois sangles ici. Vont permettre de le retirer ou de le surélever si on doit transporter quelque chose de volumineux. Un gros matelas en mousse par exemple, ça va rentrer sans problème. Le capuchon est équipé d'une poche bien volumineuse ici. Il y a énormément de place dans cette pochette. Pour retirer le capuchon, on a ici un velcro, voilà, pour vraiment sécuriser le système. À l'intérieur du capuchon, on a aussi une poche. Donc moi, à l'intérieur, j'y mets un sac poubelle. Une fois le capuchon ouvert, on a ici un système de fermeture, une sangle qui est bien longue. Moi, j'ai utilisé un petit bout de chambre à air pour pouvoir la maintenir pour éviter qu'elle se balade de partout. C'est une sangle qui va permettre de sécuriser du matériel comme un tapis de sol par exemple ou de compresser ici la fermeture du sac à dos. Le sac à dos est équipé d'une jupe anti-neige ici, voilà, avec une cordelette pour fermer. Une deuxième cordelette de serrage ici à la base de la jupe anti-neige. À l'intérieur du sac, on va retrouver une poche interne suffisamment grande pour y mettre un petit ordinateur portable. On a évidemment la possibilité d'y mettre un réservoir d'hydratation
Et pour l'avoir testé avec mon source WXP 3 litres, on fait sortir ici le tube du réservoir d'hydratation et il n'y a plus qu'à le faire passer ici dans les sangles sur les bretelles d'épaule. Pour fixer le tube du réservoir d'hydratation, on va retrouver des petites boucles en plastique, bien pratiques. Ces boucles sont amovibles et elles ont aussi la fonction de régler la hauteur de la sangle pectorale. Évidemment, comme sur la majorité des sacs à dos aujourd'hui, on a ici les sangles de rappel de charge. Voilà, qui vont rajouter du confort de portage. On a une large poignée ici pour transporter le sac. Ce que je regrette, c'est l'absence de poche ici sur la ceinture lombaire, comme on peut le voir sur les sacs de rando, qui vont donner la possibilité de mettre du matériel qu'on veut rapidement accessible. Donc moi j'ai pallié à ce manque avec une pochette Miltech Ranger que j'ai depuis pas mal d'années, j'en suis très content. C'est en coton, c'est pas ultra léger, mais c'est pas le but non plus de cette pochette. Et à l'intérieur j'y mets mes indispensables, donc de la cordelette et un petit bâton pour fixer le sac à dos à un arbre rapidement et facilement, un paquet de mouchoirs et 2-3 éléments que je veux rapidement accessibles. Sur le côté du sac, les passants moulis que je trouve décidément bien pratiques me permettent de fixer une trousse de secours. Donc ça c'est la Tasmanian Tiger Pouch, je sais plus quoi, qui me permet d'y mettre un kit de soins minimaliste, une fiole de savon bactéricide, un rouleau de duct tape écrasé. Dans la deuxième poche latérale, j'y mets ma gourde Clean Cantine à 2 ml et une tasse en acier inoxydable et mes gants anti-coupure Lidl qui vont me servir aussi pour la manutention. Donc le sac est fabriqué avec un matériau en nylon plus fin et plus souple que ce que j'ai l'habitude de voir chez Maxpedition par exemple. Ça a l'air quand même suffisamment solide. Je demande à voir dans la durée, d'ici quelques années, ce que ça va donner. Mais j'ai l'impression que le sac est fait pour durer. Chaque couture est renforcée. Les passants moulis sont bien cousus. On a des coutures bien renforcées. Les sangles aussi, pareil. On a le petit élastique ici qui va permettre de ne pas avoir l'excédent de sangle qui va se balader dans tous les sens. À l'avant du sac, on va retrouver ici un système qui va permettre le transport, dans mon cas, d'un trépied. Donc mon trépied main trotto lourd, il rentre sans problème. Et avec la petite sangle ici, je fais passer un des trois pieds qui va se retrouver bloqué. Et il n'y a plus qu'à fixer le trépied avec une sangle comme ça ou un matelas en mousse comme mon Thermarest Z-Lite par exemple. On va aussi avoir des sangles en bas du sac à l'avant qui vont permettre là encore de fixer un équipement. Donc moi je pense automatiquement à une petite tente. Et ce qui est intéressant avec ce sac à dos, c'est qu'il a la possibilité d'accéder au matériel en bas du sac. Donc moi, là où je mets mon matériel de bivouac, donc mon hamac ticket to the moon, 2 places, mon sursac SOL BV Escape, mon gros tarp DD Hammock 3x3, quelques sardines ultra légères en alu, et mon sac de couchage estival, c'est un tout petit sac de couchage qui pèse 700 grammes. Le zip est bien pratique à utiliser, il est un peu moins fluide que sur mon Osprey Atmos, mais comme tu peux le voir, il reste tout à fait utilisable, même quand il y a le matériel à l'intérieur et que la toile est tendue et que ça tient un peu sur le zip de la fermeture éclair, elle reste tout à fait utilisable. Sous le sac, là encore, on va trouver des sangles pour fixer du matériel et pour régler la longueur de ces sangles. Alors on va prendre un petit peu sur les sangles de l'avant en bas du sac. Tac. Voilà. Donc on a de la bonne longueur de sangle pour fixer vraiment tout ce qu'on veut, comme on veut. C'est un sac qui est bien pensé. Qu'on veuille barouder, qu'on soit militaire, qu'on soit airsofter, c'est un sac qui est vraiment excellent pour passer plusieurs jours et plusieurs nuits en milieu naturel. Sous le sac, ici, on va trouver une poche équipée d'un velcro. Dans cette poche, une protection anti-pluie qui est équipée d'une choc corde pour bien fixer correctement le sac, pour éviter qu'elle s'envole s'il y a du vent. Si on doit marcher sous la neige ou sous la pluie et qu'il y a beaucoup de vent, alors je suis tranquille, je sais que mon sac sera bien protégé. On aurait apprécié d'avoir 2 protections anti-pluie, une camouflée et une fluo, selon qu'on veuille rester discret ou au contraire être voyant, puisque c'est un sac, malgré son poids élevé, qu'on imagine tout à fait être utilisé par des militaires en montagne, des chasseurs alpins par exemple. Pour le transport du sac, on va retrouver 2 poignées ici en plastique, voilà, qui est possible d'utiliser à une main. On peut faire sa muscu avec, c'est toujours sympa. Personnellement, quand je mets le sac dans la voiture, je le couche et je le porte par les poignets. Et les 2 pochettes latérales maintenant sont fournies à l'achat du sac. Donc ça, c'en est une des 2. Moi, tu comprends que pour un bivouac de quelques jours, je les retire parce que 70 litres, c'est un volume tellement énorme que rajouter 15 litres en plus, c'est vraiment pour quelqu'un qui va barouder, par exemple, en hiver, où on va avoir du matériel plus volumineux, ou pour quelqu'un qui va passer énormément de temps, donc plus d'une semaine, dans la nature en été. Pochette latérale équipée elle aussi de passants moli.
de partout, vraiment. Un manchon par neige et une fermeture par boucle Fastex au bout d'une longue sangle, vraiment très longue. Voilà. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir mettre des trucs, pas forcément très lourds, mais vraiment très volumineux dans ces pochettes latérales. Moi, je peux y mettre l'armature de ma tente. Je sais que ça rentre sans problème et je peux y mettre la tente aussi. Et si on ne se sert pas de la pochette, alors on peut la compacter et elle prend vraiment très peu de place. Donc voilà le volume d'une pochette, c'est énorme. À titre d'information, je peux y mettre sans problème mon tarp. Ça, c'est le DD Amok qui est quand même relativement imposant et il reste encore de la place pour y mettre des trucs. Donc ça te donne une idée du volume des pochettes latérales. Donc voilà, c'est tout pour la présentation de ce sac à dos. Là, je t'ai détaillé un petit peu les caractéristiques du sac et maintenant je vais passer au contenu que je veux emporter pour un bivouac d'une ou de plusieurs nuits en forêt en été. Ce sac à dos m'a été fourni par mon partenaire Military First et si t'es intéressé, je te mets un lien dans la description pour pouvoir acheter ce sac à dos. Si tu as des questions sur cette vidéo, n'hésite pas, comme d'habitude, passe par les commentaires. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à lâcher un petit pouce. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne et n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche en même temps. Comme d'habitude, porte-toi bien, sors dans la nature et à la prochaine. Salut!